Dans l'épisode précédent. Grand-maman Wall, nous allons avoir du mal à convaincre grand-maman Wall de nous suivre. Faites tout votre possible malgré tout. Vous la trouverez au cottage des Wall. S'il vous plaît, Obedia, soyez patient avec elle. Elle est vieille et n'a plus toute sa tête. Tiens, les frères Hayward. Les pêcheries Hayward se trouvent bien loin au sud. Les frères Hayward sont à leur tête depuis des années. Ils viennent rarement en ville, excepté pour vendre leurs poissons. Allez leur annoncer que l'évacuation est en cours. Vous vous souvenez de Norna, la fille du seigneur Darius Crowley, je suppose? Elle ne s'est pas vraiment remise de la mort de son père Gilneas. Depuis, elle vit en ermite. Le seul visiteur qu'elle a accepté de recevoir, c'est Krenan. Et il dira rien de tout ça. Allez lui apprendre que nous évacuons la ville. D'accord. Et... allons-y. Bonjour, Lorna. Qu'y a-t-il? Pas un geste, ne m'obligez pas. Ah, est-ce vous? Par la lumière, c'est bien vous, Obedia. Oui, c'est moi. Écoutez, Obedia, nous n'irons pas loin sans moyen de transport, pas vrai? Si nous nous carapatons d'ici, les réprouvés nous rattrapons en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Normalement, se procurer des chevaux aux étables au sud-est serait facile, mais il y a un hic. Ce dernier tremblement de terre doit avoir effrayé Koros. L'étine, vous le dites comme vous voulez. Moi, je dis étain. Et il peut être descendu des montagnes. Si nous ne mettons pas bientôt la main sur ses chevaux, je crains que lui le fasse. Et miam miam miam, les bons chevaux. Oui, madame. Un renard! Un renard, c'est de la peau pour moi! C'est de la peau! Tu vas me donner! Quoi tu... Ah merde, j'ai chié dans la colle! Ah bien! Uniquement des dagues? Requiert des dagues, merde! J'ai tout vendu! Bon bah hop! Et là, je peux le dépiauter! Lanière de cuir, merci bonhomme! Bon bah. Retour chez le vendeur! Ah ouais! Ah ouais, le bestiau il est d'une certaine taille! Ah ouais! Mais je me rappelais qu'ils étaient grands, mais je me rappelais pas à ce point-là. Bon bah... Canasson! Viens par là, Canasson! Hop là. Et c'est que le 1, là? Faire suivre le cheval. Cheval mondaine vous... Et vous suit. Ah, je peux en ramener plusieurs! Viens par là. Hop. Je peux faire sur plusieurs ou pas? Ah oui! 2... 3... Quatre. Et 5. C'est parti! Voilà ma petite dame, est-ce que ça vous... Oui, c'est bon. Cool. Bon bah... Voilà, Lorna. Maintenant que nous avons les chevaux, je vais m'assurer qu'ils arrivent à Havre du soir. Parfait. Si, pour ton argent. Coucou! Bah dis donc, c'est joli dans le coin. C'est vachement... Ouah, c'est la guerre aussi dans le coin. Merde! À la soupe! À la soupe! Vous ne me voyez plus! Je suis assommé! Voilà, ça t'apprendra! Hop! Coucou, toi! Hop! Et tu vas subir mon combo! Ça n'a pas suffi à tuer, mais bon, on va se dépatouiller. J'imagine que je peux pas dépecer le cadavre. C'est marrant? On va peut-être aller prendre la quête d'abord, parce que Sim dit d'aller buter les champs. Vous êtes venu nous donner un coup de main? Ouais! En très bon état général. Évacuation, vous dites? Eh bien, nous avons eu exactement la même idée que de notre côté. Lorsque les reprouvés se sont montrés, nous avons pensé que la mer serait le moyen le plus sûr de nous enfuir. Malheureusement, nos bateaux ont subi des dégâts pendant le dernier tremblement de terre. Il me manque certaines fournitures pour finir les réparations. Du bois, du goudron et mes outils. Apportez-les-moi pour que mes frères et moi puissions sortir d'ici. Oui, bah écoute, pas de soucis, mais tu vas amener d'autres personnes avec toi. Les bateaux de ces réprouvés ont coulé bien trop près de nos pêcheries. Tous les survivants viennent jusqu'ici. Et comme vous pouvez le voir, nous nous faisons submerger. Aidez-nous à les retenir à les tenir en respect, pendant que je finis la réparation de nos bateaux. Pas de soucis, bonhomme. C'est l'heure de l'homicide. On a un mage qui est équipé avec de l'héritage. Autrement dit... Il a un bonus d'XP qui est conséquent. Alors moi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu, chers amis, jouer de cette manière. C'est pour que vous ayez l'expérience que vous auriez si vous aussi, pardon, vous lancez dans le jeu. C'est pour ça que j'ai créé un autre compte, entre guillemets, une autre session de jeu.
Hop. Ouf. Aïe. Mais oh, t'as cru que t'allais me buter, toi? Hop. Aïe, ils sont chiants à faire ça, hein. Et je peux me permettre. Hop les. Vous savez ce qu'on va faire? On va se manger un petit bout. Bon, normalement, je devrais pas gâcher un bout de pain, mais... Pas gâcher un bout de pain, chers amis. Hack. Manger. Manger, manger, ça se voit que je mange, hein. Ah, ça y est, je mange. Hop, c'est pour la forme, hein. Hop les. On y va. La sweep. Bah merde, on les a déjà tous tués comme il faut. Qu'est-ce que je suis, con? Excuse-moi, monsieur, je te tue, c'est par plaisir. Voilà. Goudron de charbon. C'est fait. Voilà. Parfait. Ici. On est bon. C'est bon, j'ai tout ton bordel. Salutations. Voilà. C'est excellent, Obedia. Je devrais pouvoir finir les réparations en un rien de temps. Merci, il m'a donné un sac de charpentier, pardon. Excellent, de mon côté, j'en ai presque terminé. Parfait, donne-moi ta ceinture, s'il te plaît. Haute ta ceinture, level up. Pas de nouveau sort malheureusement, mais level up. Crac. Bien, mais bon. Cool. Dame, bonjour. J'ai un mauvais pressentiment. De la visite. Resterez-vous pour boire une tasse de thé, mon ange? Non. 54 achevés. GG, les gens. Partir, maintenant? Eh bien, s'il le faut, je partirai. Mais seriez-vous assez gentil pour chercher quelque chose pour moi? J'ai perdu mon livre préféré et je ne partirai pas sans lui. Après que vous lui expliquiez la gravité de la situation, grand-maman secoue la tête avec condescendance. Mon ange, trouvez mon livre, voulez-vous? D'accord. Je crois que j'ai pas le choix. Ah putain. Le bouquin est juste là, est-ce qu'il va m'aider? Dégage! Dégage, c'est bon. Je dis qu'il a de l'héritage, j'estime qu'il a de l'héritage, hein. Compte tenu de ses épaulettes, en fait, qui semblent un peu, on va dire, précoces. Les épaulettes, on les a qu'un petit peu plus tard, normalement. Enfin bon. Mamie, c'est bon. Que puis-je faire pour vous? Comment ça se passe, mon cœur? Resterez-vous pour le thé? Non! Je t'ai déjà dit non, mamie. Alzheimer, c'est un problème. Oh, merci beaucoup, Obedia. J'espère que vous n'en avez pas profité pour regarder. Que faites-vous donc avec des... Que faites-vous donc des bonnes manières, mon ange, quoi? Merde, j'ai pas vu ce que c'était que ce bouquin. Livre enroulé dans un linge. Ce livre semble être un roman coquin. La couverture montre une scène pastorale où figure un grand blond musclé et une jeune femme portant un corsage à chancré. Wouah, j'ai tellement raté ma vie. Que vouliez-vous déjà? Ah, c'est vrai, l'ordre d'évacuer. Eh bien, je ne peux tout de même pas me présenter ainsi vêtu, pas vrai? Allez me chercher mes vêtements de bonne qualité, en train de sécher sur la corde à l'extérieur. Vous efforcez de convaincre grand-maman Wall que ce qu'elle porte fait parfaitement l'affaire. Vous autres, les jeunes, manquez décidément de tenue. Avez-vous été élevé par des ogres? Maintenant, allez me chercher mes vêtements, mon chou. Oh putain, en plus elle m'appelle mon chou, ça commence à me faire royalement peur. Surveillez vos armes. Tu allais habiller comment? Bon, ça va, mémé, ça a été... on a connu pire. Hein. Oup, sur le côté. Ah, bah voilà. Ah putain, réponds. Et il m'a vu. Bah bien, bien, bravo. Je ne t'applaudis pas. Par contre... Désolé, mais je t'assassine! Ah merde, ça va pas suffire. Bon, je t'assassine quand même. Voilà. Donne-moi tes fringues, mamie. Appelez. Vêtements de bonne qualité de grand-maman. Vous ne pouvez pas la fermer à 100%, mais il semblerait qu'ils soient identiques à ceux qu'elle porte. Bien! Les amis de Grisette sont mes amis. Eh, hey, vous, tu trouvez mon cœur? Bah oui, j'ai trouvé. Vous êtes un amour, Obedia, merci. Maintenant, il est temps d'y aller. Ah putain. Bien, revenons à cette évacuation, mon chou. Je ne peux pas partir sans mon chat. C'est un adorable chat tigré roux. Chance a établi son terrain de chasse préféré sur un chariot cassé près d'une tonnelle au nord-est. Apportez-le-moi et nous pourrons partir. Pour une massette de grand-maman. Ça peut toujours être sympa. Ou une couverture orange en termes de cap. Bah, je pense qu'on va prendre la masse, hein, parce que... Ah! Je te vois! Tu es ici. Chance! Ah! Oh putain! Je vais prendre ce petit chat, on dirait qu'il fera un affa parfait. Et maintenant, préparez-vous à mourir. Non! Non! Quoi? Ne touche pas à mon chacha, fils de cornio. Waouh, mamie. Mamie, mamie, qu'est-ce que tu fais, mamie? Je rêve où le chat attaquait aussi. Il semble que le chat attaquait. Chance, le chat. Un peu secoué, mais en bonne forme, étant donné les circonstances. Bon, bah, tant mieux.
J'ai vraiment le chat dans ma poche. Le voilà, le grand garçon et sa grand-maman. Merci de l'avoir retrouvé. J'espère que vous n'avez pas trop eu de soucis. Oh là là, comment ai-je bien pu me mettre dans me mettre autant de saleté sous les ongles. D'accord, ok. Pouah. Je suppose que partir maintenant vaut bien un autre moment. J'ai ma plus belle tenue, mon livre préféré et mon chat adoré. J'espère que je n'oublie rien. Dites à votre mère que je me mets en route. Je suppose que je vous verrai en ville avec les autres. Bonne journée. Parfait, merci. Madame la mère, Madame la mère, c'est ce qu'il faut. Parler ou passer. Vous avez réussi l'impossible, Bia. Vous avez convaincu grand-maman Wall de partir de chez elle. Laissez-moi vous dire que vous êtes une personne à part. Eh oui, il a fallu que je rencontre grand-maman Wall pour m'en rendre compte. Il est temps pour tout le monde de se mettre en lieu sûr, vous y compris. Dirigez-vous vers le manoir de Gristet, les autres y seront bientôt. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais m'assurer que tout le monde quitte la ville en un seul morceau. Oui, même les quelques bêtes féroces que nous gardons dans les enclos. Une fois sur place, informez la reine Gristet de la gravité de la situation. Oui, madame. J'ai eu mon lot de cancan pour... Quoi ? Canasson, j'ai pas de quoi. Canasson. Alors... Équipons-nous, chers amis. Voilà, enfin d'abord, créons l'équipement, le brassard et la paire de bottes qui vont nous permettre non seulement d'améliorer notre métier, donc travail du cuir dépeçage, classique pour un worgen, mais aussi d'améliorer notre personnage. C'est très léger hein, comme amélioration, chers amis. Ça va sans doute sauter très rapidement, mais il faut en profiter quand même. On ne voit pas la différence. Et les bottes, on devrait voir la différence. Voilà, un peu plus de fourrure, on va dire, chers amis. Parfait. La suite. Ma reine ! Ma reine ! Manoir de Gristet. Ma reine ! Reine Mia Gristet. Oh, Obedia, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai appris quel rôle important vous avez joué dans la survie de ma famille lors des combats de Gilneas. Oui, ma reine, en effet. Vous devriez parler à Gênes, oui, malheureusement. Il s'est enfermé dans son observatoire depuis le début de cette épreuve. Je suis certaine qu'il est en train de réfléchir à un plan pour son peuple. Un homme particulièrement entêté. Marchez la tête. Oui, ma reine. Faites ce pas. Mon roi, c'est moi, Obedia. Laissez-moi vous voir. Bonjour, mon roi, vous voilà, Obedia, je vous attendais, j'ai appris votre rétablissement et... Attendez, vous avez senti ? Regardez, Obedia, regardez ce qu'il est advenu de Havre du Soir. Merde, qu'est-ce qu'il est advenu de Havre du Soir ? Regardez ce qui est arrivé au dernier endroit sûr de Gilneas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh merde ! Oh merde, il reste plus que le manoir. Bon bah... Oh putain. Et réprouvé. Bordel à queue. Mon roi. L'alliance nous a rendu un grand... Nous n'avons pas le choix, Obedia. Nous devons nous enfoncer plus loin dans les terres. Je n'aime pas ça. Mais nous sommes vulnérables ici. Retournez aux écuries au pied du manoir. Que tout le monde monte en voiture et prenne la direction de l'Est. Prions pour qu'il ne soit pas trop tard. Oui, mon roi, je vais prévenir tout le monde. En voiture ! Tous en voiture ! Hop. Montons. Hop là. Parti ! Taillot ! Bon. Pour l'instant, aucun sushi. Absolument aucun sushi. Tout va bien. Tout se passe bien. Tout se passe pour le mieux. Ah, on est passé sur un caillou. Wouah! Il y a encore de l'eau par là? Oh merde! Il y a de l'eau partout dans ce pays! Pas pour rien que c'est une région où vous pouvez vivre en autarcie, chers amis. Regardez, on nous attaque! Merde! Aïe! Eh oh! Calmez-vous! Oh merde. Quelque chose me dit qu'on va avoir un accident. Non, tout va bien. Prince Liam. Pour mon peuple. Merci de t'être arrêté, Obedia. Votre voiture a subi de gros dégâts. Et celle qui se trouve devant est encore plus mal en point. Merde.
Les ogres ont eu deux de nos diligences. Celle-ci et une autre, qui est tombée dans les marécages un peu plus au nord. J'aimerais que vous y alliez et que vous portiez secours aux éventuels survivants pendant que nous élaborons un plan pour nous débarrasser de ces ogres. Les brassards sont déjà meilleurs que ceux que j'ai cousus. Cool.